savoir où est-ce qu'on est aujourd'hui, donc on va montrer sur la carte. Alors, ici, donc, vous avez Kauai, donc la Lapali Coast, c'est tout ça, donc cet ensemble ici, en fait, qui est inaccessible complètement en voiture. Et donc, du coup, pour aller la découvrir, on est obligé d'accéder au bout de la route 560, donc on est exactement à cet endroit-là, donc tout au bout de la route. Et donc, à partir d'ici, on va continuer à pied. Sur le Kalalo Trail, en direction des Anakapiai Falls. C'est une balade relativement longue qui va nous prendre, je pense, une bonne partie de la journée. Mais bon, on verra parce qu'il y a pas mal de monde là aujourd'hui. On s'est garé un peu loin du début du trail. On va voir. Hein. Arrivé à la plage donc qui est à mi-chemin, donc on a parcouru déjà 2 miles et il nous reste encore 2 miles pour arriver aux fameuses chutes. Là, on vient de quitter la côte avec les vagues et la nature luxuriante pour se replonger dans de la nature luxuriante comme vous pouvez voir autour de moi. Donc c'est vachement humide, il y a une petite rivière qui coule en dessous parce qu'on se dirige vers les chutes d'où provient cette rivière, et c'est toujours aussi humide. C'est éprouvant, ça glisse de partout. C'est moite. Voilà. Mais bon. J'espère qu'on pourra se baigner un peu là pour nettoyer un peu tout ça. Enfin, cascade en vue. C'était assez fatigant cette deuxième partie. C'était un peu moins intéressant. C'était plus facile, mais c'était un peu long. Allez, ça y est, on va pouvoir savourer bientôt plus que quelques centaines de mètres et on y est.
Donc petit bilan de la balade, c'était très 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 bien. Super, bah. La première partie très facile, relativement facile pour moi. Ouais, le début monte un peu sur les 0,5 premiers miles, mais après c'est relativement agréable, ça monte, ça descend tranquillement. C'est super beau. Et la deuxième partie finalement, ça serpente dans la jungle un peu. On est dans une vallée, on longe un cours d'eau, ce qui fait que c'est assez humide. C'est pas mal glissant, finalement arriver au bout, ça vaut le coup. Globalement au niveau des timings, donc on a mis 1h30 pour faire la première partie jusqu'à la plage. Et après on a mis à peu près 1h15, donc un total de 2h45 pour monter jusqu'à la cascade. Ce sera pareil en retour. Alors vous voyez, ça c'est ce qui vient de passer, c'est hop, je sais pas si on le voit là-haut. Ça c'est les hélicos qui font le tour de la Napali Coast. On s'est tâté à en prendre un. Ça coûte à peu près 500$ hors taxe pour deux. On s'est dit, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Finalement, quand on calcule qu'on pourrait s'acheter un téléphone avec cette somme-là. Et puis c'est un peu l'usine quoi. C'est un peu l'usine parce qu'au final, on s'est rendu compte que tout au long de la randonnée, on a entendu que des hélicos tourner au-dessus de la nature. Après certes c'est joli, les paysages sont vraiment splendides. Ouais. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup de payer cette somme-là pour ça? Nous, on pense pas. Ça y est, on vient d'arriver à la voiture. On en peut plus, c'était fatigant. Au total, on aura mis 5h30 pour faire l'ensemble de la randonnée, ce qui est pas mal, un bon chrono. On aurait pu continuer encore sur le Kalalo Trail, mais c'est vraiment, franchement, physiquement, c'était pas possible. On est content que ça soit arrêté maintenant. Et on verra, on va bien récupérer. Et puis là, nous attend une petite session snorkeling pour bien nous rafraîchir. Ça va faire du bien. Ouais. Donc nous voilà à Idaho's Beach, une petite plage sympa, cachée, qui est derrière une série d'hôtels à Princeville. C'est ça. Et donc là, il y a vraiment pas beaucoup de monde. C'est je tout pense, mignon. Je pense que ça va être bien et le fond a pas l'air très, très profond. Avec de gros récifs juste à proximité, donc je pense qu'il y a moyen de faire une très belle plongée.